Je constate avec satisfaction Aquila City que vous est toujours avez animée. Survécu à votre dernier cycle de... Propulseur à fond. Insertion orbitale terminée. J'espère que le tour de garde s'est terminé bien. J'espérais vous voir bientôt. C'est bon, c'est fait. Excellent. Je vais faire savoir à Uhuru qu'on peut procéder aux négociations. Bien. Il est temps d'examiner une autre facette de vos compétences. Je constate que vous en voulez encore. Votre prochaine mission consiste à trouver un chef de la sécurité et obtenir de lui, par la ruse, son passe d'accès. Et quand je parle de ruse, je veux dire sans recourir à une arme. Soit vous jouez un rôle et usez de persuasion, soit vous jouez les pickpockets. Bonne chance. Je suis certaine que vous obtiendrez le passe sans problème. Mais n'oubliez pas qu'en cas de souci, vous ne pourrez compter que sur vous-même. Avez-vous besoin de mon aide ?
bien, nous en avons terminé. Bienvenue à Hopetown. Site d'atterrissage verrouillé. Amenez-nous là-bas. Bonjour, capitaine. Essayez surtout pas de tenter quoi que ce soit. Je peux vous aider ? Ouais, c'est ça. C'est une blague. Je vous donnerai pas ce pas sans une bonne raison. Alors je vous écoute. Je pensais avoir parlé clairement. Vous aurez pas mon pass. Allez-y, essayez de... Je comprends. C'est pas mon problème. Si vous voulez un... Arrêtez de traîner. Partez d'ici. Vous avez besoin d'aide. Je m'excuse, mais c'est vraiment pas le genre de choses que je peux donner sans autorisation. Je comprends bien votre inquiétude, mais...
Je crois que vous ne comprenez pas. C'est pas mon problème. Vous avez vraiment... Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je peux peut-être faire une exception. C'est bon, je vous donne le pass, mais rapportez-le-moi bien, ou je vous dénonce. Atteinte, orbite stable. Cherchons d'éventuels éléments de contrebande. Très bien, tout est bon.
Eh, salut. Vous avez le pass? Beau travail. Pas mal pour une nouvelle recrue. Je crois que vous avez ce qu'il faut pour passer à la suite. Et votre timing ne pourrait pas être plus optimal. Très bien. Il est temps d'accélérer. Votre prochaine mission nécessitera une approche plus discrète, pour deux raisons. Tout d'abord, vous aurez affaire à des cadres haut placés. Et ensuite, elle se déroulera dans l'Astral Lounge, ici, à Néon. La mission est très simple. Nos techniciens n'ont pas réussi à découvrir à temps l'existence d'un deal entre Infinity LTD et Quantum Synergy. Votre rôle est de faire en sorte que leur accord s'effondre. C'est ce que nous espérons. Vos contacts sont la directrice générale de Quantum Synergy, Zola Adissa, et son directeur financier, Arthur Cruz. Je vous donnerai un dossier à leur sujet. Je vous conseille fortement de le lire au préalable. Exactement. Ces éléments sont les plus à même de convaincre Zola et Arthur de se tenir à l'écart d'Infinity, sans parler de les orienter dans notre direction. La représentante d'Infinity LTD s'appelle Nina Hart. Je vous remettrai une version modifiée de sa présentation, à échanger contre la sienne. Nous avons modifié suffisamment de chiffres pour semer la confusion pendant son exposé. Quand des dirigeants se retrouvent face à des chiffres qui ne correspondent pas entre eux, leur confiance a tendance à s'évaporer. Pour finir, je vous recommande de vous habiller pour l'occasion. J'ai pris la liberté de vous faire faire un costume. Nous attendons une discrétion absolue. Je refuse de voir Meurtre à l'Astral Lounge faire les gros titres sur SOTV. Très bien. N'oubliez pas de faire profil bas. Ne vous laissez pas distraire par l'Astral Lounge. Bordel de merde! Que dalle! Une perte de temps. Je me suis creusé la tête. J'ai tout essayé, mais je me retrouve à la case départ. Et moi qui me croyais si malin, qui pensais avoir élaboré le plan parfait. D'abord, réparer mon vaisseau et réactiver le prototype de bouclier. Ensuite, rediriger l'énergie de la batterie de caisse de crédit vers le système pour siphonner le pognon. Et enfin, rejoindre Tartare mon vaisseau avant que le champ électromagnétique déchiquette l'héritage. Facile.
garder votre salive. Et y a rien ici qui m'aiderait à le réparer. J'arrive pas à croire que j'ai fait tout ce chemin pour finir coincé ici comme les pauvres types qui pilotaient ce vaisseau. Attendez. Attendez une seconde. Malgré toutes ces années, Bayou n'a jamais laissé cet endroit manquer à sa réputation. C'est un véritable homme d'affaires. Vous aussi. Vous ne travaillez pas pour Infinity LTD à tout hasard. Vous avez quelque chose contre Infinity? J'adorerais savoir pourquoi. C'est une affirmation très grave, que vous ne devriez pas faire à moins d'avoir des informations de première main. Néanmoins, elle corrobore certaines de mes propres recherches sur leurs finances. Vous avez de la ressource. Ces chiffres correspondent effectivement à mes informations. Très intéressant. Écoutez, j'étais ravi de faire votre connaissance et j'ai apprécié notre échange. Mais apparemment, je vais devoir examiner nos données de plus près avant d'assister à leur présentation. À bientôt. Peut-être que la prochaine fois, nous ferons affaire ensemble. Est-ce que je vous connais? Va pour la conversation. Vous avez attisé ma curiosité. Et puis, je compte bien profiter au maximum de ce voyage de fer. Ryujin Industries? Bien tenté, puisque nous sommes à Néon. Mais non, Infinity LTD. Risqué, vous dites? Je vous en prie, développez. Bon marché, Quantum Synergy ne devrait jamais être associé à une telle idée. Je croyais que notre équipe s'était bien renseignée sur Infinity, mais vos remarques me font réfléchir. Leur instabilité rend les choses difficiles, mais nous pensons pouvoir surmonter ça tant que nous gardons le contrôle des projets communs. Mais toute perturbation entraîne ses propres problèmes. Retard, baisse de morale, perception du public. Et Drexler doit encore prouver qu'il peut fournir la stabilité que je privilégie. C'est peut-être plus que ce que je suis prête à risquer. C'était une conversation surprenante. Je m'y attendais pas venant de quelqu'un comme vous. L'habit ne fait pas le moine, comme on dit. J'ai beaucoup de choses à réévaluer. Les distractions et le temps libre devront attendre. Merci pour vos conseils. Cet endroit est dingue.
Chaque jour, sa patrouille. Vous n'avez pas besoin de porter de casque ici. Vous êtes au courant, j'espère. Je vous l'ai dit, mais... Nous vous offrons une vaste gamme de cosmétiques et de services. Nous serons là quand vous le voudrez. Reliance médicale, il est... Si vous voulez tester ma patience. Précisément vous que j'attendais. Alors, c'était si difficile que ça? Vous avez un talent fou. Et je ne dis pas ça parce que c'est moi qui vous ai donné ce poste. L'Astral Lounge peut sembler intimidant, avec toutes ses lumières, sa musique et sa déco. En plus, la mission consistait à manipuler des gens qui auraient pu être les supérieurs de vos supérieurs. La plupart des agents juniors auraient flanché. Dans l'ensemble, c'est pas mal pour votre première mission d'importance. Vous avez même gagné un bonus que Linden s'est fait une joie de vous accorder. Vous le méritez. Continuez à me donner satisfaction et vous en toucherez d'autres. Mes chéris Ujin, pas de repos pour les braves. On a un tas de missions en attente, et toujours plus qui arrivent. Alors j'espère que vous avez encore de l'énergie. Au moins, la suite se déroulera un peu à l'écart de la foule. Votre prochaine mission consiste à rappeler à un concurrent sa place dans la chaîne alimentaire industrielle. Certains appellent ça des représailles. Moi, j'aime mieux amour vache. La plupart des entreprises vivent et meurent selon leur image publique.
Les produits de qualité donnent une bonne réputation, ce qui entraîne des profits, et que vous l'aimiez ou non, nous sommes tous là pour ça. Votre mission est de poser un dispositif d'ARC. Il nous permettra d'accuser notre concurrent de négligence grave et d'influencer l'opinion publique. Bien. Tout ce que vous devez faire, c'est poser l'ARC sur le panneau de service de la cible. Ensuite, nous nous chargerons du reste. Faites votre possible pour ne pas vous faire repérer. Il est crucial que ça ressemble à une panne. Et bonne chance. Continuez comme ça et vous aurez bientôt mon poste. À tous.
Opération Liberastra. Merci de maintenir votre cap pendant que nous scannons votre vaisseau. Vous pouvez y aller. Autorisation d'atterrissage à Optin. Je ne veux entendre personne se plaindre. Gardez un œil sur vos objets de valeur. L'habitude qu'on m'adresse sur tous. Je suis aux côtés de Monsieur Hope depuis le début. Je crois qu'il apprécie mon souci du détail et le fait que je me concentre sur les fondamentaux. Même s'il m'a fait comprendre que le budget R&D allait diminuer si je n'obtenais pas de résultats. Oh, c'est fantastique. Généralement, les gens ne s'intéressent qu'à l'efficacité, le coût et la fiabilité. Bien sûr, parfois, on a des plaintes étranges concernant le confort ou l'aération. Mais la plupart du temps, tout roule. Je vois. À bientôt.
Sans les usines, on serait rien. Oui, excusez-moi. Quoi ? Décollage immédiat. Ça a l'air si calme vu d'ici, n'est-ce pas ? Salut. Vous avez des nouvelles pour moi ? Beau travail. Je vais dire à Masako que le bulletin d'information de ce soir sera à son goût. Bon, passons à la suite, d'accord ? Ah, avant que j'oublie, les résultats de vos escapades à l'Astral Lounge sont arrivés. Je suis ravie de vous apprendre que l'accord a été officiellement annulé. Masako a été ravie du résultat. Elle a même demandé un bonus à Linden pour vous. Apparemment, vous avez dit tout ce qu'il fallait pour Arthur. Quantum Synergy nous a contactés pour négocier un potentiel accord. Vous l'avez bien mérité. Bon, retournons à nos affaires. Si nous voulons rester compétitifs, nous devons savoir ce que nos concurrents font. La prochaine mission nécessite une approche un peu plus brutale, puisque les chances qu'ils partagent ces informations sont très faibles. Bien. On a de la chance, c'est globalement la routine. Votre cible est le plan d'un moteur prototype sur lequel Trident Luxury Lines travaille. D'après les rumeurs, il pourrait être 17% plus efficace que tous les moteurs du marché. Le plan actuel a été envoyé à leur chantier spatial pour commencer le prototype. Il devrait donc se trouver dans les bureaux ou à l'usine. Le chantier spatial de Trident Luxury Lines est en orbite autour d'Aquila, dans le système Cheyenne. Souvenez-vous des règles. Ne vous faites pas prendre, ne créez pas de problème.